Soirée de prestige ce mercredi 17 avril en Italie, où la famille de François-Henri Pinault était réunie pour le gala de la Fondation Cini. Sa femme Salma Hayek et sa fille Mathilde ne sont pas passées inaperçues dans leur sublime robe à paillettes. La 60e Biennale de Venise approche à grands pas et les stars sont déjà nombreuses à se trouver dans la ville italienne, où les soirées de prestige vont se succéder ces prochaines semaines. Le coup d'envoi de l'événement sera donné le 20 avril prochain, mais en préambule, François Pinault et les siens se sont rendus au dîner de gala de la Fondation Cini ce mercredi 17 avril. Pour l'occasion, le milliardaire français, originaire de Bretagne et propriétaire du Stade Rennais, est venu en famille pour cette belle soirée dans la mythique ville vénitienne. L'homme d'affaires était accompagné de sa femme, Marie-Yvonne Pinault, avec laquelle il a pris la pose devant les photographes. Son fils, François-Henri Pinault, était également de la partie et ce dernier était très bien accompagné puisque sa femme, la star internationale Salma Hayek, se trouvait également à ce dîner organisé par la Fondation Cini. La sublime américano-mexicaine de 57 ans avait opté pour une incroyable robe bleue à paillettes, qui lui allait à ravir. Toutes les photos de l'événement sont à retrouver dans le diaporama. Cette dernière semble d'ailleurs très bien s'entendre avec sa belle-fille, Mathilde Pinault, présente elle aussi aux côtés des siens à Venise. Vêtue d'une longue robe argentée à paillettes, elle a fait la paire avec sa belle-mère. La fille du milliardaire François-Henri Pinault, que l'on a vu sublime au Jumping de Paris à l'année dernière, entretient une très belle relation avec Salma Hayek. Nous avons la même passion pour les animaux et nous parlons de tout. Elle a un côté très humain et apaisant, a d'ailleurs déclaré la jolie brune de 23 ans à propos de sa belle-mère. Zoé Saldana et Bernard-Henri Lévy présents. Ce dîner de gala de la Fondation Cini a ramené d'autres visages bien connus, à commencer par l'actrice américaine Zoé Saldana, accompagnée de son mari, Marco Perego. D'autres Français étaient également de la partie, à commencer par le célèbre écrivain et philosophe, Bernard-Henri Lévy, venu en Italie pour assister à cette biennale.